Précieux patrimoine, l'artisanat de Rabat est un artisanat unique qui a traversé les siècles. Signe de fierté, de l'enracinement, de partage des présents, de sauvegarde de la vie et de transmission aux générations de demain. Riche, diversifié et enraciné sont probablement les atouts majeurs de ce patrimoine. La musique traditionnelle est certainement la forme la plus représentative de ce patrimoine culturel immatériel. Une musique qui paraît libre et fascinante, qui s'assouplit et s'éloigne petit à petit des formes classiques en donnant place à une expression de tradition orale qui laisse vibrer des paroles poétiques accompagné par des petites percussions simples, fortes de valeur identitaire, donnant naissance à un rythme, évoquant une ambiance de joie, d'amour et de beauté. Nous sommes Houara. Nous sommes en train de nous présenter cette chanson. انجد يعني من قديم يعني كنت نتميزوا به هكا في كيف قلت لك يعني في الافراح والمناسبات في الاعياد هكا ديال سيدنا نصر الله في المناسبات هكا ديال عيد الاضحى والعيد الصغير ويعني الادوات اللي كانت تتميز بالهواري ديالنا بما فيه الطاره سميتو ندعدو نتعارج عندنا الناقوس وكنديروا سطاره صغيره باش كيخلف في اللعب. L'artisanat du tapis, une toute autre expression en couleur de ce patrimoine, un patrimoine qui témoigne dans le plus grand respect d'un art de vivre ancestral. Il nous emporte comme dans des contes des mille et une nuits, avec ses signes forts, ses motifs orientaux, sa beauté et son harmonie de figures et de couleurs. Le tapis nous séduit avec sa beauté sublime et aussi cette profusion de sens, des sens cachés, évidents ou cryptés, qui font de lui plus qu'une texture de laine, un véritable texte, un manuscrit d'une écriture de muet qui livre ses arcanes à travers le temps. Objet de décor mural pour les uns, le tapis est aussi un revêtement de sol pour nous, qui honore nos invités, qui daigne fouler notre sol. هي تأسست في الرباط اسمها هنا من ديك الحقنا تسكن الزربية كتسمى الزربية الرباطية أساس ديالها هو الرباط والزربية الرباطية عندها يعني أهمية كبيرة الزربية قديمة وأصالة ولكن دابا أنا هنا ولا عاد شي ديال الماكينة الزربية ولات شوية من طايحة مابقاتش كيما بحال بكري Une sorte de respect pour l'hôte qui lui aussi, pour nous témoigner sa reconnaissance, avance déchaussé, les yeux baissés, de sorte qu'il puisse apprécier les motifs de ce éblouissement de couleurs et de lumière. ويديروا لي شعارات ويديروا سميتو باش يعاونوا الصناعيه راه مساكن راه مضرور كيما شتي دابا كيقيدوا الناس حاليا البيبان حتى العشيه كنشدوا عاودوا نزيدوا في حالتنا نطلبوا الله تبارك وتعالى يرحمنا ويعطينا اللي نتعاونوا بعضياتنا الله يوفقنا للخير جميعا Thank you.
La poterie est une forme d'expression de notre patrimoine qui correspond à un réel art de vivre. Elle nous livre le secret de son charme et son vécu. Art intemporel et fascinant, où jaillit sous les doigts subtils l'artiste, l'objet mou, dur, lisse, clair, brillant. Le simple contenant au volume complexe. La poterie nous provoque, nous interpelle autour au quotidien, mais reflétant un passé fascinant et authentique. بالنسبة للصانع التقليدي عندنا حنا هنايا ما كاين لا داكشي ديال الكرونيك لا والو ما كاين لا ماكن ديال الضو لا والو باش نخدموا هكاك عشوائي عادي ما عندناش مثلا الوالب ديال الضو ولا فران ديال الغاز ولا ما كاين حتى شي حاجه لا سميت الماكينه ديال الطين ديال العجين هي ما كايناش حتى العجن بوحدنا حتى حاجه ما كاين ديال الخدمه ديالنا حنا présent dans nos foyers cet objet anodin au premier regard. C'est tout un pan de notre passé, de nos traditions. Ajoutons à notre quotidien une ambiance nostalgique d'un autre temps. Cette jarre ou ce tagine est aussi un précieux ustensile bien fonctionnel. بلي كتخدم حتى في هادشي ديال الفخار بلي كتشوف شي دار وشنو قدام الفخار وشنو كتحس براسك مرتاح بعدا المهم وصلتي انت شي حاجه للناس الاخرين اللي على برا. وبزاف الحوايج يعني فين ما مشيتي خاصك تلقى ضروري تلقى شي فاز فيه النوارات كتحس براسك مرتاح المهم راك انت كاين بحال شي حلم راك انت واصل ليه ملي كتشوف بحال اللي كيتحقق لك شي حلم شي امنيه كتحقق لك Ici, si l'artisan a été témoin d'un passé autrement créatif et raffiné, l'art de travailler, de négocier, l'art d'apprendre et de vivre sont aussi la mémoire de cette place appelée Place des Consuls. Le patrimoine est essentiel à notre évolution en tant que communauté avec sa culture propre. Le patrimoine nous révèle un héritage profond de notre passé, une compréhension claire de notre présent et un fondement solide de notre avenir. Le patrimoine, c'est un peu le code génétique de tout ce que nous sommes, qui nous permet d'écrire notre propre histoire. C'est un riche passé, un avenir précieux. Faisons en sorte que le patrimoine que nous allons léguer aux autres soit aussi riche que celui dont nous avons hérité.